Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un Minecredi spécial Noël. Qui dit Noël dit cadeau, qui dit cadeau dit bon repas, qui dit bon repas dit famille évidemment. En parlant de famille, je suis avec la mère Noël parce que moi je m'appelle Père Noël, P-A-I-R-E, hein, vous l'aurez compris évidemment. Et c'est la première fois que l'invité qui se cache derrière la mère Noël est tout simplement présent dans un Minecredi. Alors, je vous laisse deviner, mettez pause à la vidéo, mettez un commentaire pour deviner, on va voir si vous avez été bon. Alors, c'est un membre de la code, hein, pour indice, et il va parler comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, B-Boy. Bon, voilà, ben, vous l'avez reconnu, je pense, hein, c'est Alfouille, évidemment. Alfouille qui est accompagné d'un petit cochon qui brûle. Il brûle ton cochon, Alfouille. C'est bon, c'est pas grave, ça fera du bacon. Il avait le cul en feu, gros, il était pas bien, le bordel. Alors, t'as un petit cochon, vas-y, dis-nous tout sur ce petit cochon, il y a une histoire derrière. J'ai adopté un petit cochon, je suis arrivé sur Epicube, tu m'as dit que je pouvais avoir un petit familier, d'accord. J'ai parcouru. Tu t'es fait plaisir, Et là, j'ai eu un coup de cœur. Voilà, t'as eu un coup de cœur. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Comment il s'appelle ce petit cochon? Dis-nous tout. Écoute, c'est mon deuxième coup de cœur, je l'ai appelé Bloody. Ah, voilà, ça y est. Un petit cochon qui s'appelle Bloody. Voilà, exactement. Pour ceux qui suivent les lives, on apprécie pour Noël. C'est le petit cadeau de Bloody. Voilà, le petit cadeau, c'est un petit cochon. À son image qui lui ressemble parfaitement, il n'y a pas de problème. Alors, regarde-moi, c'est hypnotisant, gros. Va de gauche à droite. Essaye de suivre le rythme de ma boussole. Ok, là, vas-y. Attends, c'est n'importe quoi. Gros, je t'ai dit de gauche à droite, tu vas en avant, en arrière, ton cul de bum. Ça va, ça va. Mais c'est hypnotisant, c'est bizarre un petit peu, toute cette paillette là comme ça que t'envoies. Ouais. Bref, nous sommes. Fini le poulpe de couleur qui dit Noël, dit tapis volant, et en plus, c'est un tapis volant de neige. Donc, on est sur de la neige, et ça va. Et ça, c'est la magie de Noël. Comme quoi, à Noël, tu vois, c'est quand même le feu. Alors, on a bien évidemment le Père Noël présent avec nous aussi ce soir. Père Noël qui a des sourcils Alors, je connais une bonne esthéticienne, s'il veut. assez violent. Et le Père Noël est accompagné d'un mouton avec une cape. C'est un mouton, ça? Non, mais gros, c'est pas un mouton, ça, c'est un chat, non? Bah non, c'est un mouton, je crois que c'est un mouton avec une cape. On essaye de deviner un petit peu ce qui se cache derrière, hein, bien évidemment, les créations avec des rennes qui lâchent des petites crottes en l'air. Des grosses crottes, gros, il s'en bat les couilles, le renne, il est là. Il est pas bien. Il lâche des merdes sans pression. Le renne, il a une chiasse, gros, il doit livrer les cadeaux, il a pas le choix. Bref, les amis, aujourd'hui, on va faire un tout nouveau jeu. Oh, regarde tous ces cadeaux, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, cadeau un peu trop rectangulaire à mon goût, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Le mec qui déballe le cadeau, bah c'est un cube. C'est un cube de bois. Et le mec, c'est ton cadeau, il a été taillé par moi-même. Donc, les amis, pour ce Minecredi de Noël, on va essayer un tout nouveau mode. Ça me fait plaisir, Alfou. Suis-moi, n'hésite pas à me suivre. Hein. Vas-y, je te fais gros. T'inquiète. Ça me fait plaisir que tu viennes un petit peu pour la toute première fois dans un Minecredi. Vous voyez que la code, c'est pas que Call of Duty, c'est plein d'autres jeux évidemment. Vous le voyez en live tous les jours. Et aujourd'hui, Alfouille étant professionnel de Minecraft, hashtag. Exactement. Pas du tout. Étant professionnel de Minecraft, il va vous montrer ses talents. Oh là, regarde ce Père Noël. Oh là, il a pris du LSD, gros. Non mais gros, il va tellement vite, c'est. Il ressort de l'orbite. Le Père Noël il tourne sous cône, gros, il s'en bat les couilles. Il est choqué, je crois, il vient d'apprendre un truc, gros. Il a pris Bloody, il a fait sa fuite pendant les vacances. Il est choqué, il a dit bon, on va pas le livrer. Bon, je vous avoue qu'on est un peu sur les côtes de Bloody quand même. Alors, messieurs, nous allons faire du Gladiator aujourd'hui. C'est la première fois que je vais essayer ce mode. Nous allons le faire bien évidemment avec Alfouille. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir que c'est réservé aux VIP, le mode gladiateur. Néanmoins, si vous n'êtes pas VIP, je vous donne une petite astuce qui reste entre nous, d'accord? Vous ne le communiquez à personne. Si vous n'êtes pas VIP, vous pouvez parrainer un joueur pour qu'il soit mini VIP pendant 7 jours. Et mini VIP, il me semble que en étant mini VIP, tu peux accéder au gladiateur. Ah, la petite astuce. Bah voilà, c'est la petite astuce. Si Noël, bon, vous êtes là, vous êtes en Hess, vous n'avez pas de grade et tout, offrez les 7 jours de mini VIP à vos potes, comme ça vous pourrez jouer ensemble à Gladiator. Qui c'est qui rejoint sans pression là? Ah bah on parlait de Bloody, on en record par contre, si ça te gêne pas trop. Ah merde. C'est de notre faute, on n'est pas allé dans le bon salon. Mais on parlait de toi, je savais pas que tu t'étais remis à Minecraft. Ouais. Non, je voulais juste qu'on était encore sur mes côtes, c'est tout là. C'est tout. Voilà. Ah, d'accord, il a pressenti le bordel qu'on était sur ses côtes. Merci Bloody pour cette intervention et joyeux Noël à toi, Bloody. Pas de soucis, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi. Voilà.
voyez, comme quoi, et quand on entend, quand on parle du loup, bah voilà, on y voit la queue. Donc, on est parti pour le mode gladiateur. À tout de suite si on galère pas. Eh bien, tout le monde, nous voici donc dans l'arène de Gladiator. Alors, on va faire très très vite pour vous expliquer. Après, il faut découvrir par soi-même, évidemment. Avant de lancer une game, il va falloir que vous éditiez des bulles, que vous créez tout simplement votre tenue et vos armes. Vous avez donc 1000 points. Vous faites clic droit sur le forgeron au milieu. Vous avez 3 builds. Vous prenez par exemple le premier. Moi, je me suis fait tout simplement un build classique. Hein, c'est-à-dire une tenue fer avec plein d'enchantes assez sympa. Et une épée de fer, voilà, de tranchant 3, et vous pouvez même prendre des consommables, des potions. Faites-vous plaisir, écoutez vos cœurs, c'est Noël, les gars. Mais vous ne devez pas dépasser les 1000 points, vous l'aurez compris. Là, par exemple, j'en ai utilisé 998 sur 1000. Donc, vous faites votre propre tenue. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment tout personnaliser. Et après, une fois que vous êtes prêt, et ben direction une arène. Vous allez parler à une tête de pénis qu'il y a autour, et puis il va vous emmener dans une arène. Tiens, Foufouille, on va voir si on peut pas tomber dans une arène. Je sais pas du tout comment ça marche le combat. On va voir ça, on va essayer de parler à cette tête de pénis. Pas une autre. Il y a un canard qui essaye. Bien, on va parler à cette tête de pénis là alors. Parce que gros, bah, c'est littéralement un canard en plus. T'es prêt? Ouais. T'es prêt ou pas? Vas-y, clique droit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a une file d'attente de 26 secondes. Oh là là, alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Attends, il faut définir les. Ah, on est en 2v2. Foufouille, on est ensemble. J'aurais dû prendre. Ah bah, tu sais quoi, je prends mon arc, tu prends l'épée, ok. Ça roule? Vas-y. Oh, c'est génial. Ok, donc on est en 2v2 gladiator. Je savais pas que c'était possible, je pensais que c'était du 1v1 en arène. Donc c'est plutôt cool. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est ça. On va être téléporté, nous deux, dans une arène face à deux joueurs. D'accord. Tu choisis ton build, je choisis le mien, voilà. Donc là, choisis ton build. Alors, choisis. Ça y est, moi, j'ai choisi le 1, déjà. Écoute, moi, je t'avoue que... Ouais, attends, déjà, choix de l'équipe, mets-toi... Ah bah non, c'est bon, on est ensemble. On est l'équipe Charlie, bah voilà. Ça, c'est pas très Charlie, mais bon. Ils nous ont mis dans l'équipe Charlie, pourquoi pas. Okay. L'effet de kill, bon, ça, on s'en bat les couilles, c'est des effets... que tu peux acheter, donc tiens, quand même, pour le spectacle, on va mettre les feux d'artifice, c'est quand même... Bah moi, je mets une fois. Love. Et voilà. L'effet de victoire, feux d'artifice, voilà, des feux d'artifice partout, on s'en bat les couilles. Choix du nom de votre arme, je vais l'appeler... Ah non, RT6 est triste. Attends, on peut l'appeler RT6 est triste. J'appelle mon arme RT6 est triste. Alors à mon avis, ça va être du 2v2. J'espère t'es chaud. J'étais pas prêt, je m'attendais pas à ça, mais ça a l'air vraiment cool. Je stresse, je suis pas bien. Et choix du cri de guerre, on peut choisir un cri de guerre. Dark Vador, c'est sérieux? Et bah moi, attendez. Bah, je vais prendre Chewbacca. Ah, j'ai pris Dark Vador, vas-y, Vador. Voilà, bon, gros, faut au moins assurer un petit kill, une connerie comme ça. Vas-y, ça marche. C'est le génial, spectacle. Alors choix du le build. Spectacle. Bah, je vais prendre le build numéro 1, moi, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai pris le build numéro 1. Bon, alors, Foufouille, il y a 8 équipes. 8 x 2, 16 joueurs. Je sais pas du tout comment ça va se passer, gros. Ah, on évite de mourir en premier, on chie pas la honte, c'est Noël. Alors, faut savoir que Foufouille est, comment dire... nouveau, hein, sur... Oh, quart de finale déjà. Oula. J'ai pas compris. Vas-y, gros, j'ai les PRT, si c'est triste. Là, attends, c'est toi, c'est moi. Vas-y, on est ensemble. C'est moi. Laisse-les frapper un petit Bloody peu partout. Attends, il y a deux mecs là-bas. Ah non, c'est du 2v2. Ok, laisse-les, gros, laisse-les. Ok, il a déjà une popo. Attends que sa popo se finisse. Il a un consommable, cet enfoiré, sur lui. Ok, on va... Donc, on va, gros, on va voilà tempo. Ce qu'on fait. On soulève les deux là-haut. Ok. Ah merde, je suis bloqué dans un mouton. Attends, j'arrive. Non, attends, viens. Vas-y. Mec, prépare-toi. Tu t'avances. Viens. On court un peu le temps que son cosma finisse. On va le. Vas-y, viens. On tape. Vas-y. Faut m'aider. Je suis là, gros. Voilà. Oh, je suis mort. Si votre équipe a gagné, elle va être réanimée. Vous allez être réanimé. Oui. Voilà, on a gagné, GG. Voilà, mon pote, non, tabasse, nous, on s'en bat les couilles. T'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, mais ils sont inconscients, GG, ou quoi? GG, Foufou. T'inquiète, ma gueule. Bon, on récupère. Ouais, ils sont un peu inconscients. Ils nous ont agressés à Noël, comme ça, gros. Demi-finale. Attends, baisse-toi. Pour pas qu'on te voit. Sneak. Voilà. Ok, attends que mes cœurs reviennent. Gros, je vais me faire tabasser, je vais être choqué. Attends que mes cœurs reviennent. Ils arrivent. Attends, il me reste deux cœurs encore. T'es prêt? On tabasse. Attends, on va essayer de les avoir par derrière, gros. Ok, il y en a un en haut. C'est bon, t'as tous tes cœurs? Ouais, moi j'ai tous mes cœurs. Attends, on va essayer de le voir. Ok, ils se baladent, je pense qu'ils nous attendent. Ok, oui, ils sont pense. Vers le milieu, je sais pas ce qui se passe. Là, ils sont là. Faut les attirer dans une petite pièce. Eh hey, les gars, on est là. Venez. Vas-y, gros, t'es prêt? Vas-y. Vas-y, on tabasse. On tabasse. Oh putain, vas-y, dis-moi que tu arrives. Attends, gros, je suis tout seul. Vas-y. Oh non. Oh, dommage, tu t'es fait. Dommage. Ok, bon.
Bon. J'ai saisi le but du jeu. J'ai saisi le but du jeu. Ah, c'est Et sympa, hein? ouais, c'est sympa. En gros, faut tabasse, faut tabasse, faut tabasse. Voilà, c'est Par ça. contre, c'est là où je me dis que j'ai fait un build un petit peu à l'arrache avec Foufouille. On a fait, oh, l'arène finale est trop stylée. T'as vu? Ouais, franchement, Genre Grèce stylé. antique, vraiment stylé. Tiens, combat final, on va le regarder, histoire de regarder un petit peu leur build aussi. Donc, tout le monde la joue bourrin apparemment, épine et protection. Oh, il s'est fait soulever. Ah, c'est l'équipe rouge qui nous a soulevé qui a gagné. Ah, GG bon, à ça eux. m'étonne pas parce qu'ils étaient forts. Ouais, GG à eux. C'est GG à eux, c'était vraiment pas mal. Ah non, 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 je vais garder l'épée. Tu sais pourquoi? Parce que si j'ai pas de flèche, Pourquoi? tu vas être solo si j'ai pas de flèche. Ah, j'avoue. Par contre, j'avoue qu'on a peut-être un petit peu trop mis dans l'armure. Ok, t'es prêt? Viens, 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 t'es Vas-y. où, gros? Ok, ils sont Je suis là. là. Alors, il y en a, il a pas du tout de protection, d'enchant. Ils vont essayer de nous jeter une popo de poison, gros, ok? Donc, D'accord. fais attention. Cours sur les côtés. Ils vont essayer de nous jeter une popo de poison. Ok. Vas-y, cours, 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 cours. On les embrouille. Vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut taper, faut taper, faut taper, Vas-y, faut je taper, tape, faut je taper. tape. Eh, reviens Faut ici, taper, faut toi, taper. frérot. Faut taper. Hop, voilà. Vas-y. Vas-y, tabasse, 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 tabasse. Ok, Oh, un j'ai mort. arraché! GG. Oh putain, il m'a tué, vas-y, t'es sous l'eau, Oh, t'es j'ai sous l'eau. arraché aussi! GG, on Oh, est gagné, le mais double! boum! C'est Oh, gagné! le Oh là double! là, bonne stratégie qu'ils avaient là, hein. La petite popo de poison Ouais. là! Elle nous a mis. Eh, tu sais que la popo de poison met à un cœur, hein. Alors, gros, dès qu'on apparaît dans la prochaine arène, baisse-toi direct en te cachant, Ok. histoire que je récupère tous mes cœurs. Merde, baisse-toi, Vas-y. baisse-toi. Là, je suis baissé. Ok, là, je suis pas bien, mais tourne autour du truc, on va tourner autour du truc orange. Ok, Vas-y. il se sépare, il se sépare. Ok, il y en a qui jouent à l'arc. On se montre pas, gros. Un qui joue à l'arc, celui qui est sans armure. Voilà, on récupère. On récupère. Il essaye de nous la mettre. Il essaye de nous mettre des flèches. Tourne autour, tourne autour. Faut qu'il perde ses flèches. Ok, Ouais, il essaye de nous coller il ses se met flèches. en hauteur, il s'est mis en hauteur Ouais, pour avoir il s'est mis un en meilleur hauteur. visu. Il nous aura pas, il nous aura pas de loin. Deux, c'est deux Laisse flèches qu'il a balancées. faire. Il reste une Trois, minute aïe, il m'a 32. touché. Non, non, non. Trois Récupère tes cœurs. flèches. Récupère tes cœurs. Il a Attention, il acheté va... trois flèches là? Ouais, trois flèches déjà là. Voilà, provoque-le un petit peu, faut qu'il tire des flèches. Ouais. Je sais pas combien. Ah, il a pas d'armure, il doit avoir masse flèches l'enfoiré. Ok. Vas-y, venez! Votre technique, elle marche pas avec nous. Waouh! Il m'a mis une flèche. C'est rien, c'est qu'un cœur. Attends que ton cœur revienne. Vas-y, tabasse-le d'en bas. Ah, ils jouent ensemble, hein. Fais gaffe, hein. Ouais, hein. On t'inquiète, se je montre reste pas. caché derrière. Hop, ok, je lui ai fait perdre une flèche encore. Ça va pas Ouais, être encore évident. une. Voilà, encore une. Allez, vas-y, tire tes Il m'a flèches, gros. On s'en bat les touché. couilles. Recule, recule si t'as touché. Ouais, je Vas-y, me lui, on cache saute là. sur lui, on s'en bat les couilles. Ah putain, il m'a mis une flèche. Laisse, 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 laisse. Sa flèche, elle m'a retiré 2 coeurs et demi. Bon, on va attendre. On attend, on attend, on attend, on attend. On attend, on s'en fout, laisse-le. Putain, c'est intelligent, c'est cette technique que je voulais faire, tu vois. Ok, on attend, fais des strats, gauche-droite, gauche-droite. Ouais, c'est ce que je fais. Ah, il m'a mis un coup, Vas-y, viens, viens, deux viens, viens, viens. coups. Il est où? Il est là, il est Ah, il là. m'a tué. Oh non, t'es mort? Ouais, l'autre il m'a Oh mis une putain, flèche. bah ouais. Il m'a mis une flèche, l'autre. Tu l'as tapé un peu? Ah Ouais, ouais, j'ai lui laisse donné tomber. 3-4 coups. Mais Laisse c'est tomber, l'autre derrière en fait je suis qui m'a mort. tapé. Ah putain. Non! Bah, ils ont une belle Voilà. strat. Ouais. Ils ont une très belle strat. Vas-y, vas-y, venez, j'ai le temps, 17 secondes, je sais pas ce qui se passe dans 15 secondes, cousin. Ça explose. Bah j'en sais rien du tout, gros. Ah putain, il me l'a mis. 4, 3. Ah putain, il me l'a collé aussi. Ok, finale, je suis en finale. Oh, Marez! Voilà, Finale! GG gros. Ok, c'est qui? C'est les mêmes? Oh, c'est pas les Il... mêmes! Mais pourquoi je suis Non, en fais finale? gaffe. Pourquoi on est passé? Je sais pas. Ok, bon, Peut-être en qu'on tout a cas, fait plus GG. de Gros, dégâts ils arrivent que eux. direct, ils arrivent direct. T'es où, frère? T'es prêt? Tu Tabasse, l'as. tabasse, tabasse! Vas-y Tabasse, gros. tabasse, tabasse! Vas-y, vas-y, vas-y! Hop! Voilà, c'est bon, je suis mort. Vas-y, dis-moi que tu les as. Dis-moi que tu les as, frère! Putain, Attends. je meurs direct, je meurs trop vite, les amis. Bâtard, ils m'ont tué. Oh, Oh, dommage! Je meurs un dommage. peu Il trop est... Oh vite. putain, il devait lui rester un cœur, quoi, le bâtard. Je sais pas ce qu'ils avaient, je sais pas ce qu'ils avaient, mais Ouais. c'est bien dommage. Bon, la technique de l'arc et tout. J'en ai tué qu'un, mais l'autre, bah, il m'a tué en fait. Eh, technique de l'arc et tout, méga relou quand même, hein. Chapeau bas. Ouais, j'avoue. Ouais, mais bon, on arrive en finale quand même. Ouais, on va essayer un truc, les amis. On vous dit à tout de suite, je vais recréer un build arc et popo. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. À tout de suite, tout le monde. Remessieurs, on est parti. Dans 10 secondes, ça s'envoie. Alors, Foufouille, j'espère ta confiance en ton build. Moi, Ouais. je t'avoue, zéro confiance, gros. On va essayer un petit truc. J'ai mis recul 2 avec Fire Aspect. On va voir ce que ça donne. Ils sont où, ces Narvalos? Ok, Ils sont ils tout sont là. droit. Alors, il y a de l'épée. Il y a de l'épée. Vas-y, viens, viens, viens. On y va, on y va, on y va, on y va. Ok, c'est bon. Il commence à Vas-y. venir sur moi. T'es prêt, gros? Moi, faut pas trop Ouais. qu'il me tape. Attends. Voilà, lui, c'est fait. Et lui, c'est fait. Voilà, vas-y, vas-y, foufouille. Pendant que je récupère un cœur, si je Vas-y, peux. j'en ai tué un. J'en ai Voilà! tué un. On les a arrachés, gros! On les Ah a. non, on en a tué un chacun, frérot, un chacun. On les. Mais Là, il y a attends. marqué là.
Oh putain, on les a violés, gros GG. Ah, donc voilà. Bon, j'ai confiance en mon but. Ouais. En fait, faut mettre un coup à... Je mets un coup à un, recul 2, il dégage. Un coup à l'autre. Voilà. Toi, tu finis le reste. Tu fais ta tamis. On s'en bat les couilles. Ok, accroupis-toi, frère. Accroupis-toi. Vas-y, stop. Vas-y, je suis accroupi. On les attend ici. Ils ont un arc ou pas? Attends. Non, ils ont pas d'arc, mais ils ont une pomme en or. Laisse-les là, laisse-les là, frère. On s'en bat les couilles. Ok. Ouais, fais gaffe, il y a des coups de canne à pêche. Fais gaffe, il peut te choper avec la canne à pêche et te faire reculer. Attention, attention, fais pas le con. Gros, je vois l'hameçon là. Ouah, fais gaffe. Il va choper du gros poisson. Vas-y, venez ma gueule. Ok, ils peuvent me tuer, ils peuvent me tuer. Attention, attention, laisse-les. Laisse-les un petit peu monter. Laisse-les un petit peu monter. Voilà, tu dégages, allez, dégage. Voilà, tu dégages. Ah, il m'a tué. Ok. Bon, mais j'ai tué le premier. Non, non, je crois qu'il est en feu, il est mort ou pas? Je sais pas. C'est fait tuer par Erasin, il est mort ou pas? Vie récente. Oh non, il avait tous ses cœurs. Oh dommage. Dommage. En fait, je t'explique. Le problème de Minecraft, c'est que tu te fais arracher à l'instant où l'ennemi... Si l'ennemi est plus bas que toi, tu vois, en cube ou autre, et ben c'est lui qui a l'avantage du coup. C'est pour ça que tu prenais des coups et que tu le touchais pas. Bon, donc là, alors, c'est parti. Ok, donc... Il y a une épée. Ouais. Attention, ouais, on peut... Oh, il y a une canne à pêche. Voilà, bah oui, fais-toi... Attends, prends-toi pas de coups, gros. Laisse-les. Gros, c'est une blague, ça, ou... Voilà, lui, je l'ai dégagé. Ah, putain, je suis mort. J'en ai tué un. Vas-y, tue l'autre, il est en feu, l'autre. Allez, tu l'as. Non, il a pas assez. C'est dommage. Il lui reste... C'est ma faute, je meurs tout vite. Ah, il lui restait la moitié de ses cœurs, donc aucun regret. Attends, ça fait quoi si on mange un cookie? Je sais pas, t'as fait ça où? Vous mangez le cookie de Saïka du plus merci. Ah d'accord. Vas-y, on est parti, Lira. Je sais pas, gros, j'apparais, il y a des cookies qui tombent du ciel, frère, je suis pas bien. Mais gros, des gros cookies de bâtard, tu vois, je vais t'en jeter aussi. On va voir. Alors les gars, je me refais le build tout de suite, regardez-moi ça. Boum, on va se faire qu'une épée, on s'en bat les couilles les mecs. Tranchant 3, aura de feu et recule on peut. Oh là là, tranchant 3, aura de feu, recule, je mens. Bats les couilles les potes. On va prendre une pomme d'or. Et là, nique sa mère. Ça va soulever, c'est moi qui vous le dis. Voilà, on va essayer sans armure, sans rien. J'ai un tranchant 3 et un recul 2. Donc je peux mettre une patate quand même, il y a un petit avantage. Ouais, ouais. Je prie juste pour récupérer ma pomme d'or à chaque round. Sinon, frère, Ça, je sais pas, par contre. On découvre. En même temps, on est là pour découvrir. Exactement, donc, on est là pour découvrir. C'est la vidéo, c'est le Minecraft de Noël. On se met bien, on découvre tranquillou. Exactement. Attends, ils arrivent direct. Ouais, ils arrivent direct. Ok, gros, je vais bouffer ma pomme d'or. Voilà, là, ils savent pas que j'ai plus de cœur. Vas-y, ma gueule. Attends, wow. Je fais un bien. Voilà, vas-y. J'en ai arraché limite un, je pense. Oh, il m'a arraché, gros. Il lui reste la moitié de ses cœurs. Vas-y, défonce-le, gros. Non, mais je suis mort. D'accord, ok. Dès le début. Bon, mauvaise idée. Alors, attends, on va se refaire un build. Gros, on va repartir sur le même build que tout à l'heure. Tranche en 3. Ok, on est parti. Bon, je jette ma popo dès le début. Je sais pas si c'est 33 secondes ou 33 millions. Suis-moi, sur. Ah, il y a Clo au milieu, gros. Ouais. Ils sont à droite. Ok, ils sont là. Bah, on fait le tour comme des connards depuis tout à l'heure. Mais gros, les gars, ils savent où. Bah attends, viens, ne regardez pas le renard passer. Lui, on l'arrache là, qui a pas de protection, gros. On s'en bat les couilles. Il je est sais où pas qui j'arrache. Il est là. Ah, c'est les grilles, moi non plus. Voilà. Aïe. Voilà. Aïe. Oh, il est mort. C'est bon, vas-y, tu l'autre. Voilà. Blé. Oh putain, j'ai plus de popo de poison. Oh, fais chier, ça dure qu'une manche, j'ai envie de chialer. Ouais, mais gros, on les a arrachés. Ouais, mais gros, on les a arrachés, mais j'ai plus de popo de poison. Vas-y, baisse-toi dès le début, là. Ouais, c'est ce que là, je suis en train de faire. Le poison, putain. Ok, baisse-toi. Ok, bon, ils sont juste en face, on est pas bien. Gros, j'ai peur. Oublie pas que aussi. S'ils sont en bas d'un cube, ils ont l'avantage. Donc le mieux, c'est que nous, on soit en bas, genre comme ça, tu vois. Genre, vas-y, tu vois, on est là. Ok, ouais, d'accord, gars, ça marche. Tranquille. Et là, ah, dis donc, tu me fais mal. Ah, okay. Voilà, oh, les gars, tranquille. Oh merde, ça t'a frappé? Non. Ah, j'ai eu peur. Vas-y, viens, on va aller chercher limite en bas. Ouais, fais gaffe, voilà, gros. Voilà. Faut que tu m'aides. Ah, t'as été tout seul, gros. Bah non, je t'ai dit, faut qu'on aille en bas. Bon, c'est pas grave, c'est un peu déçu, je m'attendais. Tu y arrives ou pas? Ah non, tu t'es fait arracher. Gros, il y en a, il m'a mis un coup, je suis tombé à deux cœurs direct. Bah, ça, c'est. Il t'a pas fait tomber de haut?
Ah non, même, non, non, on était l'un à côté de l'autre, je suis pas tombé. Bon, mais lui, il t'a fait un bisou magique et c'est parti. En même temps, il a pas de. Il y a que son épée qui a enchanté les deux, hein. Ils ont pas d'enchantement ni rien. Comme quoi, RT6, c'est triste. Bon, ils ont tout mis. Bah écoutez, messieurs, c'était GGAE, on a essayé plusieurs techniques, à vous de trouver la vôtre. Dites-nous en commentaire la technique la plus équilibrée. Vraiment, j'y tiens. C'est Noël en plus, faites-moi plaisir. Donc mettez en commentaire, B-Boy, moi je te conseille un mec qui balance deux flèches à gauche, deux flèches à droite, un autre qui va au milieu, qui pisse sur les mecs. Voilà, à deux, dites-moi vos meilleures techniques pour vous et on les essaiera lors d'un prochain mercredi. En tout cas, c'était vraiment sympa. GG Alfouille, tu mourrais toujours en dernier. Bon, en même temps, tu m'aidais toujours en dernier, mais ça fait plaisir. Non, mais franchement, c'est vraiment j'aime beaucoup ce mode de jeu. Voilà, c'est plaisant pour toi qui n'es pas gros joueur Minecraft. Et, exactement. Voilà, exactement. Donc c'est plaisant, c'est rapide et c'est fun. Honnêtement, donc c'est Gladiator, je vous le conseille. Moi, j'ai bien kiffé. Encore une fois, on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Dites-nous en commentaire vos cadeaux, dites-nous tout en commentaire. On veut tout savoir. Ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez voilà, bu. Voilà, ce que vous avez pissé. Tout. On veut tout savoir, les gars. Tout. Voilà, tout. Et on vous fait des gros bisous pour les fêtes de fin d'année. Et bisous et Alfouille, je te dis à très bientôt. Bisous, à bientôt, mon ami. Bisous. À plus, tout le monde. Ciao.